Qu'est-ce que l'AMI ? L'AMI, aire métropolitaine intégrale élargie, c'est un territoire cohérent dans lequel se rassemblent à la fois les campagnes, les villages, les villes moyennes et les grandes villes pour ensemble donner une cohérence à notre existence, à nos échanges, à notre bonheur. Trop souvent, on voit des choix qui sont faits en fonction de décisions parisiennes, nationales, des partis qui ne sont pas forcément parfaitement applicables au territoire lui-même. Il faut donc être transparti, ne plus croire qu'un parti a la bonne parole. Dans la pratique, une fois qu'un périmètre a été déterminé, par exemple celui d'un département, il faut organiser la gouvernance. Elle comprendra une équipe qui aura été élue au suffrage universel et qui, devant un parlement local comprenant 50% d'élus et 50% de la population, comprenant 40% de femmes, 40% d'hommes et 20% d'adolescents, gérera ce territoire selon le projet et la politique qui aura été déterminée à l'élection. Avec l'évolution du climat, qui lui est naturel, ne sera pas arrêté par nos petites actions et pour lequel nous devons être prêts de suite. Donc, il est indispensable de mettre en place cette organisation de gestion globale au profit de tous, pour que les métropoles arrêtent de tout concentrer sur elles-mêmes, de ne s'occuper que d'elles-mêmes, et que les petites communes puissent se situer dans une relation intelligente de coopération et d'harmonie avec les métropoles et l'ensemble du territoire. Si l'on ne fait pas ça maintenant, nous allons à la catastrophe. L'AMI n'est pas un rêve. L'AMI n'est pas un objectif farfelu. L'AMI est une possibilité immédiate. Comment faire ? La loi le permet. Il suffit de créer une EPCI, établissement public de coopération intercommunale. C'est écrit dans la loi et la ville de Lyon l'a fait à son bénéfice, au profit de ses habitants, en mettant en place une gestion globale d'une grande partie du département, de la métropole et de toutes les communes qui gravitent autour. Aucune raison n'empêche de le faire, il suffit qu'un ensemble de politiques d'une région concernée sentent la nécessité d'aller vers un projet global qui concerne tout le monde et de dire « nous faisons une EPCI ». C'est cette volonté politique qu'il suffit d'avoir.